Cécilia. Cécilia, c'est la patronne de l'hostal. Et Cécilia, elle est née sur l'île il y a quelques années. Très gentil. Merci. C'est un amour. Bon, le tour de l'aéroport de William, c'est vite fait quand même. Ça ressemble un petit peu à l'aéroport d'Aniak. Alors, ben petit avion, petite piste, et voilà, celui-là il est marrant, bien mieux que le gros. Ici on a Ushuaïa, et en face on a l'Estancia Santa Rosa qui se trouve là-bas, avec la Punta Bartlett qui se trouve ici. Et la baie qu'on voit, c'est la baie de Wulaya. Et le mont qu'on voit tout au loin, c'est le mont Tortuga, qui surplombe la Bahia Douglas. Ça, vous avez vu des vidéos la saison dernière là-dessus. La première étape validée à bord de ce DHC6-300, environ 1h30. L'aéroport de Punta Arenas, bon certes, est quand même un peu plus grand que celui de Puerto William, mais il n'y a pas non plus de quoi se perdre dans les couloirs. Là, on est au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée se termine là-bas. Hop. Et on va aller faire un tour à l'étage. On a eu un petit vol sans souci. Ça n'a pas bougé. Un petit peu de couverture nuageuse sur l'arrivée, mais très peu. Voilà l'autre partie de l'aéroport. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de se déplacer beaucoup pour voir tout l'aéroport. Aéroport maintenant de Santiago, bon évidemment c'est un petit peu plus grand quand même. Là on est dans l'aéroport vraiment international. Et ben voilà, un petit vol sans problème aussi. Donc deuxième étape vérifiée à bord d'un A321. On a volé aux alentours de 4 heures je crois. Bon, et ben il ne me reste plus qu'à faire tous mes petits checks de sécurité et puis sauter dans mon autre avion. Dans un quart d'heure. Bon voilà, troisième trajet validé. Là je suis à l'aéroport de Houston. Encore un grand aéroport. Loin des petits trucs qu'on se perd pas. Hein. Bon voilà, aéroport de Tampa. Donc mon quatrième petit trajet validé. Bon là simplement 1h45 je crois. À bord d'un 737, le voyage entre Santiago et Houston s'est fait en 9h30 sur un 767. C'est beaucoup, 9h30, moi ça a trouvé un peu le temps long dedans. Hein. Et ben voilà, évidemment, les températures ici, c'est pas tout à fait comme au Cap Horn. Hein. Allez, redépart de l'aéroport de Tampa après une petite semaine de pause en Floride. M'a permis de guérir un petit peu ma crève, ça fait du bien. Comme ça, je vais arriver tout frais et dispo en Alaska. Aéroport de Seattle après environ 6 heures de vol depuis Tampa sur un 737 encore. Ah, donc, 5e trajet validé. Aéroport d'Anchorage. Donc ça c'était le 6e trajet. Toujours dans un 737 pour 3 heures et quelques. Donc là on est dans la partie domestique d'Anchorage. Donc là on est dans les sous-sols, on va sur la piste directement à pied pour rendre les tout petits avions.
Donc pour les petits vols comme ça vers les villages, il n'y a pas de contrôle de sécurité. En fait, on pourrait très bien monter à bord de l'avion avec un petit peu tout ce qu'on veut dans le sac. Bon, il y a le bagage qui est en soute, qui lui doit être testé, mais sinon, bagage qu'on a à main, là, un petit peu ce qu'on veut dedans. Là, pas d'histoire de contenants, de fluides, des gels, etc. Ici, ils s'en foutent complètement. Voilà, donc c'est la partie basse de l'aéroport d'Anchorage. Voilà, arrivé à Aniak après un vol, donc le sixième pour le coup, 1 h 15 environ, ça a bougé un tout petit peu, mais pas grand-chose. Assez beau temps ici en tout cas, en Corée il faisait un temps pourri. Voilà mon petit avion qu'elle a. Et ça fait 8 mois que je suis parti d'ici quand même. Hein. Et puis là, voilà, je vais être là pour 4 mois. Hello. Thank you. L'aéroport d'Aniak, bah, tout petit. Allez, bah, de retour où je vais passer 4 mois, ça c'est mon coin, voilà. Avec mon petit bus. Il va falloir que je regarde un petit peu. Les premiers clients arrivent dans 3 semaines. Mon camion avec une chèvre à demeure sur l'arrière. Et bon, normalement, l'oiseau là, il n'y est pas. Et à la place, c'est pardon, un chêne que j'ai. Donc, mes bateaux, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. Donc il y en a un qui est parti là, qu'on avait récupéré, qu'on avait fait un sauvetage l'année dernière. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, j'en ai plus que 17. C'est déjà pas mal, non? Non, mais il y en a quand même, il y en a 4. Donc ces 4-là, celui-là, celui-là, celui-là et celui qui est au fond là-bas. Ceux-là, je ne vais pas les mettre à l'eau, ça c'est des vieilles coques qu'on a et puis qui ne servent pas. Par contre, tous les autres, même celui-là en fait qui n'est pas sorti l'année dernière, qui s'appelle le Red Seats, donc le siège rouge, comme quoi bah, il n'y a plus de siège dedans, mais bon, ils vont revenir. Et bah, tout ça va aller à l'eau pour mes guides, enfin mais c'est pas les miens, mais pour les guides, on va avoir une 7. Normalement 7, 8, 9, 9 guides, et on a peut-être que 7 en fait, il y en a un qui va peut-être pas venir. Ensuite, mes ateliers. Donc là, bah, a priori, il n'y a pas grand-chose qu'à bouger. Ça, c'est ici, j'ai un portique là que je vais me refaire, remettre ma bâche dessus pour pouvoir m'abriter un petit peu quand il fait pas très beau. Donc là, a priori, il n'y a pas grand-chose qu'à bouger. Donc, j'ai un petit bordel, un gros bordel ici qu'il va falloir que j'organise. Plein de choses. Ça, c'est de la matière première pour les rôtisseries, etc. Et puis, mon stockage ici, avec... on va garder un petit peu de lumière. Avec bah, quelques pièces de bateau que j'ai là, mais après c'est surtout bah, tout ce qui est autour du camp. J'ai tout un tas de générateurs qui sont là, j'en ai 4, 5, 6, 7, des tronçonneuses qui sont au fond, des chauffages, du petit électroportatif qui est là,
Et puis tout ça va sortir dans un mois. Tout ça, il n'y aura quasiment plus rien dedans. Ce sera tout en place au niveau des camps, enfin de la lodge et puis du camp. Et puis, ben voilà quoi. Un peu de boulot en perspective pour mettre tout ça en place. Je suis premier ici. J'ai un jeune apprenti guide qui arrive demain. Et puis deux autres guides qui arrivent après. Et puis après, un gros qui arrive. Donc faut que je m'y mette au plus tôt possible, quoi. Donc pour l'instant, je vais déjà trier un petit peu les choses, ressortir mes affaires. Ma petite type de lancée, hein. Faut pas l'oublier, celle-là. Elle a passé tout l'hiver dehors, elle est toujours bien. Et puis voilà, sortir mes affaires et puis commencer, quoi. Parce qu'il faut, quand il faut, il faut. Allez, je dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!